Merci, merci. Merci beaucoup. Dites-moi si vous entendez un bruit, parce que je ne sais pas si ça va, si ça va toucher ou pas. Dites-moi si vous entendez un... Coucou, coucou Facebook. Le Seigneur te bénit, Xavier Fernando. Sois béni. Sois béni, soyez béni, soyez béni. Vraiment, j'avais à cœur d'encourager quelqu'un, d'encourager une femme, d'encourager une maman ou un papa. Spécialement pour toutes les femmes. Chez nous, toutes les femmes sont des mamans. En Afrique, toutes les femmes, à commencer par Elia, jusqu'à 99 ans, ce sont des mamans. Que tu aies des enfants ou que tu n'aies pas encore des enfants, tu es une maman. Alors je souhaite une bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Alors il y a des mamans qui sont en attente de tenir les enfants dans leurs mains. Non. Bon, toi tu dis non. Faut pas dire non, Elia. Ah, tu casses mon live. Alors pour vous, vraiment c'est un encouragement pour celles, pour toutes ces femmes. Pour toutes ces mamans qui sont en attente de tenir leurs enfants dans leurs mains. Il y a de cela plus de 25 ans que j'étais vraiment, j'étais en attente, en espérance qu'un jour qu'on puisse m'appeler maman. Et ce temps-là prenait beaucoup de temps, ça tardait pour moi. Pour ma part, j'ai trouvé que le temps était long dans cette attente. Et le temps était plus long encore quand j'attendais des diagnostics des médecins qui me disaient que « Madame Wato, pour vous, il faut un miracle. » Dans d'autres termes, votre cas est vraiment compliqué pour que vous puissiez enfanter un jour. Pour qu'on puisse vous appeler « Maman un jour ». Alors, dans cette attente, c'est vrai que j'étais vraiment triste parce que j'aime beaucoup les enfants et je n'imaginais pas ma vie un jour sans qu'on puisse m'appeler maman. J'imaginais pas dans ma vie que je puisse pas avoir, comment dire, ce bonheur d'attendre, de m'attendre à appeler maman. Et dans cette attente, bien évidemment, il y avait des jours où j'étais désespérée, découragée. Mais un jour, le Seigneur m'a fait un clin d'œil. C'est ça, ce clin d'œil-là que je viens faire à une maman aujourd'hui qui est à l'attente de cette promesse. Vraiment, je veux que tu prennes, toi qui espères, toi qui attends, avec patience, qu'un jour que tu puisses tenir un enfant dans tes mains, ou du moins tu puisses tenir encore un autre enfant. Je viens te lire ce passage que moi le Seigneur m'avait donné, alors qu'à cette époque, les médecins disaient que je ne pouvais pas être maman, à moins qu'il y ait un miracle qui intervienne. Alléluia. Et un jour, un miracle est arrivé. Un miracle est arrivé. Mais en attendant ce miracle, en attendant cette promesse accomplie, le Seigneur m'avait donné une parole que je viens laisser à toutes les mamans qui espèrent, qui sont en attente. Je viens te dire, oh maman, je t'appelle maman, ne désespère pas. Toi qui as déjà des enfants et que tu en veux encore,
ne désespère pas. Toi qui es en train de vivre de fausses couches sur fausses couches, ne désespère pas. Toi qui n'arrives pas à concevoir pour le moment, ne désespère pas. Toi que les hommes sont en train de pointer du doigt, celle-là ne mettra jamais au monde. Je viens te dire, ne désespère pas. Toi qui es en couple pendant X temps et que vous attendez, vous ne voyez pas l'enfant arriver. Je viens te dire, ne désespère pas. Je te dis cet après-midi, bonne fête, maman. Je suis en train de t'annoncer prophétiquement, bonne fête, maman. Alors pendant cette attente, le Seigneur m'a mis un mot dans mon cœur. Le Seigneur m'a donné une parole qui m'a accompagné jusqu'à l'accomplissement de sa parole dans ma vie. Il m'avait donné deux passages, mais je vais te lire ce passage d'Ésaïe 54, parce que c'est ça que Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse te le transmettre. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Toi qui es appelée stérile, je viens te dire bonne fête, maman. Toi qui vis les avortements en permanence, je viens te dire bonne fête, maman. Parce que Dieu a décidé de réjouir le cœur de celle qu'on appelle stérile. Ésaïe 54 dit ceci. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse, alléluia, et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia! Alléluia! Réjouis-toi, maman! Réjouis-toi, maman. Et avant de chanter ces cantiques d'amour, je voulais souhaiter une très bonne fête. Une très bonne fête à ceux et celles qui ont fait que l'accomplissement de Dieu soit accompli dans ma vie. Les promesses de Dieu soient accomplies dans ma vie. Vous savez, pendant cette attente, j'espérais que le Seigneur me donnera seulement les enfants qui viendront de mes entrailles. Pour vous dire que Dieu fait toujours au-delà. Au-delà de ce que vous lui demanderez. Un jour, j'étais vraiment en train de prier où je dis, Seigneur, Seigneur, donne-moi le fils qu'un enfant. Donne-moi un ne fût-ce qu'un fils. Je lui ai demandé. Et le Seigneur, dans son amour, il m'a donné un fils. Il m'a donné un fils. Mais je pensais que ça allait s'arrêter là, seulement à ce que je lui ai demandé. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu qui fait au-delà, c'est un Dieu qui fait au-delà, je viens dire à une personne qui a l'attente, que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil. Des fois, on pense que quand un couple n'enfante pas, souvent on attribue toujours la faute peut-être à la femme. Mais laissez-moi vous dire, il y a aussi des hommes
qui portent ce lourd fardeau en eux. Et je viens dire à cet homme et à cette femme que la maison de la stérile sera remplie d'enfants. Alléluia. La maison de la stérile sera remplie d'enfants. Et quand le Seigneur m'a donné Nathanaël, je me suis dit, oh, waouh, le Seigneur m'a répondu à ma prière. Mais je ne savais pas que le Seigneur répond au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Alléluia. Le Seigneur nous donne toujours au-delà. Et pour cela, je voulais, pour cette fête de maman, je voulais remercier non seulement mes enfants biologiques, mais je voulais aussi dire merci à ceux et celles-là qui m'ont reconnu comme étant leur maman. J'aimerais vous dire merci, vous qui m'appelez maman. J'aimerais vous dire merci, vous qui appelez mon époux papa. J'aimerais vous dire merci, parce qu'au travers de vous, je vois l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Cette parole qui a dit que la maison de la stérile sera remplie d'enfants. Mes amis, je me dis au jour d'aujourd'hui, si je n'avais pas d'enfants, que ce soit biologique ou spirituel, je serais la femme, je pense, la plus malheureuse. Parce que c'était le désir de mon cœur. Et le Seigneur a eu pitié de sa servante. Et il m'a accordé, hallelujah, il m'a accordé plein d'enfants. Il m'a accordé Nathanaël. Il m'a accordé Priscilla. Il m'a accordé Yohan, Benjamin. Il m'a accordé Abigail, joyeux de l'éternel. Il m'a accordé Tabitha, Jean Taylor. Il m'a accordé Wendy, Shannon, toutes celles qui m'appellent maman, toutes celles qui me reconnaissent comme maman. Je suis une privilégiée devant cette appellation maman. Pour certains, d'être appelé maman, ça ne leur dit rien peut-être. Ça ne leur dit rien, mais pour moi, ça a tellement d'importance. Je suis une femme, je suis une maman bénie. Je suis bénie de t'avoir. Je suis bénie d'avoir tous les enfants spirituels, ceux-là qui me reconnaissent comme leur maman. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Parce que vous êtes l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie d'une femme qui était appelée stérile. Vous êtes l'expression de l'amour de Dieu pour moi. En tant que maman, et en retour, votre maman vous dit, soyez bénis mes enfants, soyez bénis, je vous bénis comme votre maman. Je précise bien à tous ceux et celles qui me reconnaissent comme étant leur maman, que le Seigneur se souvienne de vous, parce que vous êtes l'expression de l'amour de Dieu pour moi et pour mon époux. Et je souhaite à toutes celles qui aspirent à devenir maman, à toutes celles qui passent des circonstances de stérilité, je viens te dire, tant que Dieu n'a rien dit, les hommes, les médecins, même la famille, parce que moi j'étais à la rusée, j'avais honte, parce que vous savez, dans nos pays africains, quand un homme, un jeune homme et une jeune fille se marient, la première chose qu'on attendait, c'est des enfants. Et quand ça tarde un petit peu, ça commence à devenir des situations honteuses. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a décidé d'enlever l'opprobre de ton front. Le Seigneur a décidé aujourd'hui de faire de toi une maman heureuse, comme il a fait avec moi. Il le fera aussi avec toi. Alléluia. Je souhaite une bonne fête de mère à toutes les mamans, toutes les femmes. Alléluia. Que tu aies tenu des enfants ou que tu ne l'aies pas tenu, je viens te souhaiter bonne fête maman. Et merci encore à mes enfants spirituels. Merci encore à vous, vous qui me considérez comme étant votre maman. Vous êtes l'expression, je le répète encore, de l'amour de Dieu dans ma vie. Vous êtes l'expression, du moins l'accomplissement de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu dans ma vie. Toi qui es en attente, attends la promesse de Dieu. Elle s'accomplira certainement. Alléluia.
Et je veux chanter ce cantique que j'aime beaucoup, d'une jeune maman que j'aime aussi, ma fille bien-aimée Cassie Kalala. Je ne prétends pas avoir les mêmes capacités que toi, mais j'aime tellement cette chanson que je ne peux pas m'empêcher de le chanter à chaque fois que je peux le chanter. Donc c'est l'histoire, alléluia, c'est l'histoire, l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. Sois encouragé, réjouis-toi stérile. Des fois il y a des stérilités même matérielles, des fois il y a des stérilités spirituelles. Alors je viens te dire cet après-midi, réjouis-toi. Toi qui as été stérile pendant très longtemps, toi qui ne produisais plus, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie spirituelle, tu ne produisais plus, le Seigneur, cet après-midi, réjouis-toi, car son amour est palpable dans nos vies. Il accomplit ce qu'il dit, alléluia. Il change la stérilité en fécondité, alléluia. Il fait tourner les pages de ta vie avec plein d'histoires de bénédictions. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle affection. Jusqu'au jour où il m'a relevé, on m'a fait sortir du fond de l'abîme. Oh, 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 Jésus, ma bannière. Oh, 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 Jésus, ma bannière. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle affection. Jusqu'au jour où il m'a relevé, on m'a fait sortir du fond de l'abîme. Oh, 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 Jésus, ma bannière. Oh, 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 Jésus, il a changé. A changé, c'est l'histoire d'une femme qu'un ami a tourné, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence. Voilà, je suis reconnaissant. Oh, 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 moi je suis reconnaissant. Moi-même, sans moi-même le chercher, j'ai agi selon la chair, sans savoir qui il était. Oh, jusqu'au jour où il m'a relevé, a fait de moi un être nouveau. Jusqu'au jour où ma vie m'a crié, s'est révélée sur ma vie. À présent, je suis libérée. Mon âme est dans la paix et dans la joie. Désormais, je vais chanter qu'il a changé ma vie. Jésus, sauveur, son nom est le réparateur de vie. Il est mon Seigneur. D'une vie qu'un ami a changé, c'est l'histoire d'une page qu'un ami a tourné, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence. Voilà, je suis reconnaissante. Oh, moi je suis reconnaissante. Changer ma vie, il a tout transformé.
jamais ne m'abandonnera. Il a changé ma vie, oh. Il a tout bouleversé. Son nom c'est Emmanuel, jamais ne m'abandonné. Depuis que cet homme est arrivé, il a changé ma vie, oh. Il a tout bouleversé. Jamais ne m'abandonnera. Il a changé ta vie, il a tout transformé. Son nom c'est Emmanuel, jamais ne t'abandonnera. Depuis que cet homme est arrivé, il a changé ma vie, il a tout transformé. Jamais ne m'abandonnera. Il a changé ma vie, il a tout transformé, oh. Son nom c'est Emmanuel, jamais ne m'abandonnera. Depuis que cet homme est arrivé, ma vie a changé, oh. Il a tout transformé, jamais ne m'abandonnera. Il a changé ma vie, il a tout transformé, oh. Son nom c'est Emmanuel, jamais ne m'abandonnera. Non, 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 non. Jamais ne m'abandonnera. Oh, non, 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 non. Hey, jamais ne m'abandonnera. Oh, il te ne t'abandonnera jamais. Oh, jamais ne t'abandonnera. Jésus n'abandonnera jamais. Oh, jamais ne t'abandonnera. Il te donnera même les enfants et jamais ne t'abandonnera. On t'appellera maman, papa, jamais ne t'abandonnera. Et non, 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 et jamais ne t'abandonnera. Et non, 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 jamais ne t'abandonnera. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Jésus n'abandonne jamais, même si les hommes te pointent du doigt parce que tu n'as pas encore reçu ta promesse dans ta vie. Même si pour le moment, tu ne vois pas encore le fruit de tes prières. Mais laisse-moi te dire, je viens t'encourager fortement. Réjouis-toi. Oh, toi qui es appelé stérile, réjouis-toi. Toi qui n'enfante pas, réjouis-toi. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, alléluia. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Réjouis-toi. Toi qui ne vois pas des choses arriver dans ta vie, réjouis-toi, toi qui vois que les choses tardent, réjouis-toi. Je suis en train de proclamer pour quelqu'un ce que Dieu a accompli dans ma vie. La façon dont Dieu a changé ma vie, il est capable de le faire pour toi. Afin que tu puisses devenir féconde et que tu sois prospère et que tu sois fertile. Alléluia. Alors je viens te souhaiter une très, 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 très bonne fête. Je viens souhaiter particulièrement, vraiment je tiens dans mon cœur, particulièrement à souhaiter cette parole à toutes les femmes qui traversent des situations de stérilité, à tous les hommes qui traversent cette situation de stérilité. Je viens te dire, réjouis-toi. Car cette parole, si cela a été accompli dans ma vie un jour, sera accompli aussi dans ta vie, toi qui reçois cette parole avec foi, toi qui reçois cette parole, même pour celles qui ne sont pas encore dans le mariage et qui aspirent au mariage, réjouis-toi parce que tu deviendras une épouse heureuse, tu deviendras une maman heureuse. Réjouis-toi, réjouissons-nous parce que les promesses de Dieu, même si elles tardent, elles s'accomplissent toujours et s'accompliront certainement dans ta vie. Et non, 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 et jamais ne m'abandonnera. Merci, merci, merci mon fils de me supporter. Merci.
Merci d'avoir fait de moi une maman heureuse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. Tous mes enfants au travers le monde, tous mes enfants spirituels, toute personne, tout fils, toute fille de Mama Jenny, que le Seigneur te rende au centuple. Et merci encore d'avoir fait partie de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie en me disant que la maison de la stérile sera remplie d'enfants. Et je suis une maman heureuse. Votre maman vous dit merci, merci, merci et paix et grâce de Dieu chez vous. Bye bye. Je vous aime, je vous aime. Jamais ne m'abandonner. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais ne t'abandonnera. Jamais ne t'abandonnera. Jamais ne t'abandonnera. Bye bye. Important. Bisous, je vous aime. Maman Sarah de Jésus, ma maman d'amour, je t'aime fort. Bonne fête à toi. Le rendez-vous des femmes et des mamans heureuses, des mamans épanouies, des femmes de qualité, des femmes de distinction. Le rendez-vous est donné et fixé le 27 juin de cette année où nous sommes ensemble. Tu as coupé? Insta. Ah, c'est pas grave. Toutes les femmes, tous les hommes qui sont considérés comme l'épouse de Christ, je nous invite tous le 27. On sera en direct de Cercle TV, Cercle TV, YouTube, sur YouTube. Tu cliques et tu t'abonnes et tu cliques. Et ainsi, tu pourras vraiment être bénéficiaire de ces temps de qualité, de ces temps de gloire où nous allons passer ensemble dans la présence de notre papa à nous tous. Donc, je t'invite déjà à t'abonner. C'est qui rigole de mon fils là? Attention, hein. Allez, tu invites mon fils? Rendez-vous le 27, ne ratez surtout pas. Et puis... Net, il sera là. Il sera béni. Donc, et encore plus, Jésus, il sera là. Jésus-Christ de Nazareth, il sera là, au rendez-vous. Ils veulent encore un chant. Non, on le garde. Prochainement. Ils veulent un chant encore, s'il te plaît. Un chant encore. Un autre chant. Yo. C'est vrai? Oui. Yahweh Sala. Oh, Anaël. Anaël. Bon. C'est bon. Pour Anaël, c'est bon. C'est celle-là la chanson de Yahweh Sala. Yahweh. Papa, tu peux me faire des cœurs alors? Je fais des cœurs. Ok, papa va me faire des cœurs. Donc c'est bon. Dans la maison, je peux faire aussi des cœurs. Bon, papa, il va me faire des cœurs. On va faire Yahweh Sala vraiment avec beaucoup d'enthousiasme pour cette fête de mère. Ah là 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 là. Bonne fête, maman. On va faire Yahweh Sala. Allez, Yahweh Sala. Benjamin, tu vas m'accompagner? Ok. Benjamin et papa, ils vont m'accompagner. Ils vont faire des cœurs. Amen. Ah, soyez. Je vous aime beaucoup.
Je vous aime beaucoup. Oui, Anaël, fais-moi des cœurs. Fais des cœurs, Anaël. Merci. Bonne fête, maman Joanne. Bonne fête à toi. Bonne fête, ma fille Lovely Queen.
quatre, les quatre. Les quatre, c'est quoi? Soyez bénis, soyez bénis. Merci, 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 merci d'avoir adoré ce Dieu avec moi. Shalom chez toi. L'amour du Seigneur chez toi, l'accomplissement des promesses de Dieu chez toi et la joie du Seigneur qui fait ta force. Soyez bénis, je vous aime. Bye bye, à bientôt. Oh. Nathanaël.